Israël, quand tu as la lèpre, quand tu as la lèpre en Israël, ça c'est un problème. Tu es considéré comme un homme impur. Tu as une cloche au pied, et pendant que tu mets la cloche, tu es comme obligé de crier impur, impur. Celui qui t'a touché, tu as une conversation avec personne. La personne veut d'aller se sanctifier d'abord pour avoir accès au temple. Donc ils sont isolés, ils sont loin du palais, d'aller loin de la ville. Ils ont un temps là-bas. Donc vous voyez un peu l'humiliation qui guettait le monsieur. Du coup, il était en quête de guérison. Et on va parler d'Élisée. On dit, mais il y a un homme de Dieu là-bas, lui, il peut te guérir. Amen. Amen. Voilà. Chez lui, il s'attendait à une cellule de prière. Où le monsieur est là. Il est là en train de prier. Il est en train de prier. Parce que lui, c'est ça. Délivrance, sort. Tu es quoi, lèpre, ça y est. Mettez-le sur lui, tout ça, crie. Oh, Seigneur, le monsieur fait pitié. Et dans la chambre, il a dit à son élève, prophète Géasi, va, donne-lui la parole. Amen. Amen. Les prophètes sont des hommes de parole. Amen. Des apporteurs de solutions. C'est pour ça quand il dit, je suis dans ton affaire, si je ne suis pas convaincu, laisse-moi tranquille. Pourquoi les contraindre? Quand je ne suis pas convaincu, ne m'amène pas dans tout ce terrain. Mais quand je suis convaincu de rentrer dans ton problème, je suis convaincu que je vais arriver. Amen. Donc il donne une parole au gars, il dit, va. Voici ce qui va se passer. Va dire au monsieur, petite maladie là, j'ai plongé dans les journées. Il va, il approche le monsieur, il dit, bon, ton, ta maladie, c'est le journée. Quoi? Est-ce qu'il a, il sait au moins de quoi le souffre? La lèpre. Il y a quel rapport entre, je suis malade, j'ai une maladie qu'on appelle lèpre. Il peut aller plonger dans l'eau. Je n'aurais pas peut-être compris s'il prie pour moi. Ça coûte de l'eau, je suis venu bien ici. Ça coûte de l'eau. Non, attends, attends. Il joue à moi ou bien. Vas-y, le jour de la messe, c'est comme la lagune, c'est ça, hein. Chez moi, il y a papa, il y a lavabo. Il peut me laver là. On t'a pas dit de laver dans papa. Amen. Amen. On t'a pas dit de plonger dans lavabo. On dit le jour de. L'action prophétique nécessite l'obéissance. Amen. Il faut obéir à la voix. Et c'est ça, les gens ont le problème avec l'obéissance. C'est ce qui a fait le problème d'Adam de Ève dans le jardin. On a le problème avec ce problème, c'est l'obéissance. Pourtant, la désobéissance, c'est ce qu'on appelle péché. Qu'on n'écoute plus, c'est ce qu'on appelle péché. L'homme a ce problème-là. Amen. Amen. L'homme a ce problème. On m'a porté l'histoire, une deuxième monsieur était pauvre. Il insultait, c'est le matin, il insultait Adam. Adam, c'est à cause de toi, les mieux pauvres. Adam, il insulte Adam, longueur de journée. Le pauvre Adam est mort dans sa main. Il est fâché par les pauvres. Il insulte Adam. C'est à cause d'Adam, c'est pauvre, c'est à cause d'Adam. Un ange est venu, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, d'être riche. Il n'y a pas de problème. Ferme tes yeux. Il se trouve dans un palais. Il y avait tout, toute chambre, nord, massif. Il y avait tout, son assiette, tout, tout est en or. Il y a une petite chambre là-bas. Et bien, tu veux te renverser. Le monsieur venu lui dit, viens. Ça, là, on ne retourne pas. Le jour tu retournes ça, tu deviens pour. Il dit, moi, bien venu toucher ça, retourner. Mais ce n'est pas difficile. Il dit à l'ange, mais ce n'est pas difficile, retourner, cuver. Tu peux faire confiance. Toute ma vie, là, hier, j'ai fait ça. Il dit, moi, j'ai respecté ça toute ma vie. Toucher à Seigneur, un an, deux ans, on va dans cinq ans, six ans, le monsieur est là. Je vous ai accusé de Bacha. Sa femme dit, elle a dit, pardon. Il dit, bon, il prend les mouchoirs pour essuyer le coin. Tu es allé, tu as Seigneur, tout en nom massif, tu n'es pas content. Il se pose la question, pourquoi un homme se dit il ne doit pas faire ça. Il peut veiller. Il est assis. La nuit, il se casse, sa femme la frappe. Elle le tire. Il se casse pour venir. Pourquoi? On ne faut pas renverser. On n'aime pas les trucs comme ça. Vous dites la loi là. Tu as gâté l'homme. Quand il faut faire la peur. Mais pour y faire. Quand il voit ce qu'il fait, il touche les tournées, 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 sa femme va se perdre. Il dit, hé, pardon. Là, il m'a dit, donne-moi tes enfants,
Mais ce que Dieu moi, je ne juge. Je ne juge jamais sur ça. Le jour où il touche, je peux me frapper. Il touche. Vous savez son problème là. Imagine, son seul problème, c'est la soupière renversée. Non, pour voir comment on va l'argent. Lui, c'est comment voir sous la soupière. Ce qui est dedans, il veille pour ça. Il assis, il réfléchit. Comment? Ah! Tu as l'or, tu as diamant, tu as tout. Tout et tout, tout. Dans ton problème, c'est soupière qui est renversée. Ce qui est en dessous. Donc, justement, pendant que sa femme dormait, je me suis dit, bah, lui, ça fout de rien. Pourquoi? Là, je lui demande. Doucement, doucement, mais si je la rends, elle a fermé. Le monsieur ne dort pas. À cause de souper en laissé. Oui, il est en laissé. C'est son problème. La femme, comme elle a mangé, lui, c'est son seul problème. C'est qui se tient pas? Mais tu viens venir quoi? Il va et renverse la soupière. Il n'y a rien. Il y avait seulement une loi, c'est tout. L'ange lui dit, monsieur, ça va? Salut? Tu as insulté Adam jusqu'à. Toi, tu as fait plus grave qu'Adam. Si Adam avait reçu tout ça, donc il est retourné à sa sainte nature. Ouais. Donc l'homme, où est les lois bizarres, il n'accepte pas. On t'a dit de faire. Amen. Amen. Il vient dire non. Lui, plongé dans le Jourdain, cette fois. Lui, ça attendait la prière. Mais là où on vient, il attendait des sorcelleries, maintenant. Où on plonge dans l'eau. Ouais. C'est ça que nous les prophètes, d'accord, venez nous voir là. Hein? C'est pas ce que je suis plus tard de penser, moi, je fais. C'est ce que Dieu me demande de dire là. C'est ce que j'ai dit. Amen. C'était une action prophétique. Va plonger. Cette fois, il a banalisé son problème. Tellement qu'il s'est été tellement banalisé que le gars s'en a choqué. Il dit, mais ne prends pas au sérieux. Il ne prend pas au sérieux. La maladie, là, c'est que j'ai là. C'est l'eau là qui va soigner ça. Non. Mais j'ai traversé l'eau ici, il y a eu la maman, parfois. Quand vous dites de faire quelque chose, faites ça. Amen. Faites ça. Ça va vous délivrer, ça va vous aider. Amen. 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 Faites ça. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur qui avait une entreprise à maison. C'était un entrepreneur. Il avait des marchés. Il a eu une finance d'abord la chose. Après ça, les gens lui ont appelé l'argent. Il a mis ça dans beaucoup de trucs comme ça. Son argent est bloqué. Bloqué, bloqué, bloqué. Il est venu me voir. Pour faire mon personnel. J'ai lui, j'ai le monsieur Jeanne. Jeanne, il a passé partout, on a mis sur Jeanne, hier, tout ça. Quand j'avais un message, je lui ai dit, mais va faire deux sameries à Benjaville, aux orphelins de Benjaville. Donc, vous voyez. J'ai dit, tu fais une offrande de 50 000 francs, dans ce orphelin. Le moment qu'il l'obéit, quand il a fait ça, la semaine qui a suivi, les gens font ça la paix. Amen. 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 On l'a appelé paf, 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 vous donnez son âme. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Amen. J'ai dit ton gamin sur bronze. J'ai dit, prends la bouteille d'huile. Il faut prendre comme sirop. J'ai dit, mais prends-la comme sirop. Comme ça, l'année prend sirop. Elle a fini, il dit pendant 7 jours, tu bois sur mon coucher. Elle a fini, c'est le 8e jour, la semaine qu'elle a suivi là. Quand elle va aux toilettes, c'est le fibre qui descend. Elle a fait une graphie, ça a disparu dans son monde. Alléluia. Elle m'a fait finir. Elle m'a fait finir. Amen. Amen. C'est que le prophète lui demande de faire là. Amen. 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 C'est tout. Abidjan, tu as rendu la maison de quelqu'un. On commence à parler avec eux, tout ça. Il me demande qui est sorcier ici. Oui, la famille. Tout le monde commence à traduire, vous allez dire le prophète. Je suis resté pendant 10 minutes. J'ai parlé, parlé, parlé. Pendant 10 minutes. J'ai fait le tour de la maison. D'abord, le tour de la maison. Je suis venu de garçon de l'Issaou qui a explosé la bouteille. C'est tout. Il me dit aïe, vous êtes des gens, tout ça là. Quand il est donné d'eau, 21h, il y a une qui s'est levée comme ça par eux. La servante a commencé à parler. Elle a initié ça, elle a initié ça, elle a initié ça. La même chose s'est passée ici. Ça ne vaut pas un mois. La dame est enceinte. Elle a vu que quelqu'un est venu coucher avec elle. Elle vient ici. Moi, j'ai scanné la chose. J'ai dit,
Elle dit ce qu'elle a bas. Je dis, les minutes qui vont suivre, là, tu vas connaître. Quand on a fini, on a versé plus ici. Elle allait à la maison. Dès qu'elle a commencé, elle m'a appelé sorcier, la petite a commencé à parler. C'est ça, on a délivré la petite. Elle est venue sur le délivrer. Donc, quand le prophète te dit, fais quelque chose, c'est ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout, c'est ce que tu dois faire. Il y a une fois qu'avec ton cerf, le sein, gauche, j'ai rencontré l'échange avec moi, j'ai pris mouchoir là, j'ai versé, j'ai pris comme ça. Et puis j'ai dit, il faut mettre ça dans le soutien. Elle a banalisé, j'ai dit, mets ça. Pendant 7 minutes. Elle avait une boule à l'intérieur. Elle allait là, elle a fait ça. Le 8e jour, surtout le 9e jour, elle touche la pile de boule. Elle reprend, quand on fait l'examen, ça disparaît. Donc, accepte tout ce que le prophète dit. Amen. Et comme tout récemment, on a envoyé une femme très forte à Zaroko. Elle était très agitée. F, oh là là, folle. Son mari ne croit pas. Il dit, il va guérir. Ça va. Elle va guérir. Il dit, je ne vois pas de la même manière que toi. Amen. Parce que ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Alléluia. Or, la foi est une affirmation de ce qu'on espère. Alléluia. Elle se démontre. Donc, j'ai démontré ma foi. Il va guérir. J'ai dit oui. Elle a fait 3 mois. C'est fini. Guéri. Tu vois, il est pas répondu. Amen. Je dis que nous prions sur le Dieu des miracles. Vous êtes dans un ministère prophétique. C'est tout le prophète demande de faire, c'est ce que tu vas faire. Amen. Quand le prophète va à gauche, va à gauche, va vous détruire, va à droite. Le gars dit blond dans le Jourdain. Parce qu'en fait, les gens s'attendent. Le prophète n'a pas pris 5 minutes. Seigneur, il fait pitié, lui, Seigneur, les choses qui sont bien demandées. S'il te plaît, Jésus, non. Amen. Le prophète, c'est un homme de parole. Regardez toutefois qu'un prophète intervient dans la vie. Allons-y, dans deux rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Deux rois, chapitre 2, vous allez comprendre un peu. Et ça fatigue beaucoup les gens. Amen. Les gens de la ville disent à Élisée. Voici. Le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Très bien. Et le pays est stérile. Le pays est stérile. Il dit. Apportez-moi un plat neuf. Il n'a pas dit aller faire une croisade de prier ou une cellule de prière. Venez en faire veille de prière. Non. Il va apporter quelque chose. Et mettez-y du sel. Très bien. Et on lui apportait. Il alla Allah. Vers la source des eaux. Vers la source des eaux. Et il jeta du sel. Et il jeta du sel. Et dit. Regardez, c'est la parole, hein, c'est non. Et dit par l'Éternel. Et dit par l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort. Ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. On dit selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon la parole que nous avons prononcée. Amen. La prononciation n'a pas chassé. Vous les autres avez chassé. L'esprit de Vanessa sort d'esprit des eaux. Moi, chercher les noms. Tanoué sort. Lui, il met tout tout ça. Il y a un problème. Il a promis la parole. C'est lui. C'est la parole. Le prophète, c'est une clé. Amen. C'est tout. Quand le prophète dit c'est fini, il faut croire. Non, mais tu ne m'as même pas dit que mon oncle là. Hein? Donc mon oncle, tu ne le moyens pas. Moi, mais c'est comme ça au parc. Même si je vais chez les marmots, moi, c'est comme ça. Quand je vais partout, on ne voit même pas. Même le problème, il ne va pas voir pour moi. Moi, on ne voit pas partout. On ne voit pas comme ça. Je ne sais pas comment bon Dieu m'a créé. Pour moi, là, on ne voit pas. Nous, on voit partout là. Nous, on ne voit pas. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux aux gens? Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Être délivré? Comment vous allez quoi? Bon, c'est lui qui démange. Ça dit quoi? Bon, c'est lui qui démange. C'est ça mon problème. Bon, il démange, ouais, c'est lui. Ah non, c'est lui. Comment tu vois que demain t'es bloqué? Tu sais que maintenant c'est toi, tu fais quoi? Le dessous de la veille, on dit confiez-vous en ces prophètes. Ces prophètes, tu ne peux plus, tu ne fais que regarder le prophète. Regardez quand vous regardez un peu la parole de Dieu.
Parce que dans le psaume 27, la Bible dit quoi? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Amen. Recommande d'abord ton sort et place ta confiance d'abord en Dieu. Et puis il fait le reste. Alléluia. Amen. Donc quand vous venez ici, il dit, quand le prophète dit faire ça, tu fais. Quand Dieu dit faire ça, c'est ça. Laissez le prophète vous ouvrir. Amen. Vous savez, quand vous avez un programme, ne cherchez même plus à consulter. Cherchez à avoir un prophète. Tu peux être là, tu peux traîner. Tu penses qu'il traîne. Non, il veut t'apporter quelque chose. C'est comme Jésus. On en annonce à Jésus que Lazare est malade. Il a banalisé. Il a traîné là-dessus. Il a énervé toute la maison. Quand on a fini, il a venu manger. C'est un non-dit, c'était dans leur cœur. Jésus vient tous, on va nourrir tous à cause des funérailles. Quand on a un problème, il n'est pas venu nous sauver. Jésus a beau parler, il dit c'est fini, s'il te plaît, il est mort déjà. Hein? Et puis il sent. Quand il est mort, on a enterré, puis il sent déjà. Jésus n'a pas ressuscité. C'est Jésus l'a ressuscité. C'est ça l'onction. Il faut comprendre l'onction. En quel moment on doit intervenir. Et c'est ça que la Bible dit, n'imposez pas les mains par précipitation. D'autres qui nous voient, comme tu fais pitié, d'autres même, il y a souvent même quelqu'un dans l'arbre, il y a quelqu'un qui pleure. Quand ils arrivent à mon niveau, pour la pleurer. Moi, je ne joue pas ça, vos histoires de pleurs. Quand j'ai ma pitié, il m'a même fait pitié. Pourtant, c'est un mec qui mange. Quand il est pleuré, il dit, mais c'est ça, les enfants, les sorciers, les fausses vipères. C'est toi, mon les sorciers, le gars comme ça, quand on a pleuré, j'ai la pitié, j'étais là scanné. La comédie, là, il y a des gens, quand il finit, là, tu écris quand il dit tiens. Il dit, pas arrêter ça. Les enfants, hein, peut-être les marchent. Ou bien. Hein? J'ai dit oui. C'est Dieu est sorti. Ils ont une vieille comédie. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Aidez-nous à vous aider. Amen. Ne pensez pas qu'on banalise le problème. Il y a toute une révélation qu'on doit avoir par Jésus. Nous devons